Attention, ça n'a pas l'air prêt pour l'absolution spatio-temporelle absolue. Parler au nom de Dieu. Directeur d'induction d'énergie universelle. Tant que chef de ta dame, c'est compliqué, hein. Surtout quand t'as pas un rond. Bon, c'était pas grave. C'était pas grave. Alors là, t'avais le papier du 20 janvier. Bon, ça t'a mis. Mais là, le papier d'aujourd'hui, compliqué. Quatrième dimanche du temps ordinaire. Déjà, c'est temps extraordinaire. Habité par la même espérance. Bon, là, le truc, il tue. Je sais pas, moi. Tu vas aller faire un tour à Madagascar, peut-être, je sais pas. Semi de l'esprit. C'est balèze. Mardi, c'est aussi. Vas-y, c'est en là. On rentre en dos. La silo, ça me rate le dos, ça me rate le bios. Moura, moura. Et là, quand même, il écrit un truc. Et je prends l'autre, c'est pire. Ça veut vraiment dire. On dirait que je suis marqué tout le temps. On dirait que c'est moi. Là, on est à Madagascar en 2006. Hein. Oh. Je te le dis, moi. Gros percume. Moura, moura. Là, ça doit pas être l'oasis. Et peut-être. Bon, c'est Mundava. Mundava. C'est comme à Madagascar ou au Maroc. Ah, ils ont tous des guitares, mais il n'y a jamais de cordes. Et ombre. Papé du village. Une guitare avec des cordes. Une jambe de 38 mètres. Quatrième jour, tout en feu. Plusieurs différences. Là, après, on passe sur la Saint-Cassien. Une bouteille de plongée avec double de temps d'air. On va découler le bateau. Oh, ça n'a rien à voir avec Madagascar. D'ailleurs, il faut toujours aller découvrir le bateau, parce qu'il y a la carte du futur de l'espace-temps dans le plafond. J'étais dans l'eau. Voilà. Voici, on dirait. Eh bien, oui, séquence émotion en direct de Nicolas Bio. Direct de Nicolas Bio, on essaie de découvrir le bateau avec de l'oxygène, du tonneau. Et là, on revient à Madagascar. C'est quand même en 2006, là. À 12 ans. Thank you.
Oasis Murundava, je crois. Tu l'auras quand même. Charles Talikou, Harry, Gibou, Tams, into the our eyes, enfila la coupe. Bien oui, de passage à avec le groupe. Tous les groupes là, c'est la fin, c'est une belle journée quoi, qui finit bien, avec un peu de clip, ça ne fera pas de mal, un peu de goût de bière, voilà, voilà. Ici à l'Oasis, c'est ça, c'est Valentin qui ramène tout quoi. Ici, Talikou il est pas là, en fait, il prend la caméra, voilà, Gagi, Kegi. C'est quoi ce que vous faites là? C'est quoi tout ça? C'est quoi tout ça? En fait, c'est juste un peu de tabac, quoi. Ouais, ici, à l'Oasis. Merci beaucoup de penser à nous. Ici, en fait, pas de matériel, pas de caméra, on peut pas bouger. Le studio, c'est trop cher. Obligé de vendre. C'est pas moi qui fais. Obligé de vendre ses dés, ça aussi, c'est ça, quoi. C'est le choix, là. Ouais. Bloqué. Bonsoir, monsieur Arnaud. Comment ça se passe à Madagascar? C'était un petit peu chaud, les pirogues, mais ça a été. Je n'ai pas noyé, ça m'a fait par des requins. Avant de force au moins 7, en pirogue, que tu prends l'eau, que tu coques. C'est pas jouer les cahiers, c'est jouer les coupeurs. Pleine tempête avec deux bonnes femmes de 50 ans. Je sais pas si tu vois quoi, mais c'était rigolo. L'île aura, terrible. L'île
pour les blondes. Ouais, c'est marrant pour vous parce que c'est des grands souvenirs jamais inoubliables à Madagascar et à Murunda, monsieur. Et voilà, l'Oasis. Moi, j'aimerais vous présenter l'Oasis. C'est comme ça, l'Oasis, c'est le bar, un restaurant, hôtel, ambiance, tous les soirs, musical et cabaret même, comme qu'on a fait là, ce soir. Ben voilà. Et aussi, moi, j'aimerais vous présenter Madagascar. Parce que ici, c'est Madagascar. C'est comme tu veux. Mouramoura. Mouramoura, vous connaissez comment Mouramoura? Mouramoura, c'est doucement, doucement. Dès que vous arrivez à Madagascar, et ça veut dire, vous faites comme les Malgaches, c'est Mouramoura. Voilà. C'est Mouramoura. Plus je le fais, je suis content. Kalinkunku. Kunku, ça peut-être que ça vous dérange pour prononcer Kou comme ça parce que vous êtes. Votre langue, c'est pas comme ça parce que là c'est Kou en Madagas. Mais c'est comme ça vous prononcez en Kou. Kou. Ouais, Kou. Là. Kou, c'est comme ça. Kou, c'est Kou en français. Ça écrit en français comme ça, mais en Madagascar c'est comme ça. Okay. Donc ça prononce Kou. Donc c'est Tabin Kou. Non, là, faut comprendre. Kou. Ok. Justement, Arivo. Voilà, Arivo. Je suis sculpteur, guide, percussionniste. T'imagines pas, t'es à 13 000 bornes. Mais t'es heureux. Y'a pas besoin, trop besoin de pognon, tu te démerdes. Ta vie ne fait pas sur mon cœur. Ça rassemble beaucoup avec cet objet là. Je ne comprends rien, mais je comprends quelque chose. Du rap malgache de 2006. Très bien.